Donc normalement, apparemment, il devrait y avoir des gars pas loin. Ah tiens, il y a une petite grotte d'ailleurs là-bas, allez voir. Wouah! Ah ouais, là j'en ai loupé plein! Ouais, c'est ouf! Non, mais. Ah, c'est bon. J'ai cru qu'elle avait chopé le treuil. Juste une seconde, je peux attendre. Je pensais qu'il y aurait au moins un truc à récupérer. Ah bah il y a quelque chose. Ok, donc apparemment je serais revenu un tout petit chouïa en arrière apparemment. Ah oui, parce que déjà j'ai récupéré ça là, aussi. Ok, donc il doit y avoir quand même pas mal de trucs à récupérer dans la forêt là. Oh, y a des singes. Regarde-moi ça. T'as l'air tout excité. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette structure. Ouais, des singes. Oui, non. À part les singes. Effectivement, je vois deux trucs qui brillent. Voyons voir. C'est juste moi ou ça ressemble à une carte? On dirait notre carte. Eh bien, je vais le marquer. Il y a une fente. Juste la taille d'un jeton. Je tente ma chance. Sur la carte. Ouais. Il se passera quoi si on les trouve tous? Bonne question. Regarde-moi ce bracelet. Ça a dû appartenir à l'une de leurs reines. Encore les armoiries d'un roi, Oysala. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le cacher ici. C'est quoi les symboles là-haut? Les symboles?
a fait les deux plus au nord sur la carte. Ces personnages doivent être les anciens rois Oysala. Ils étaient 11 en tout. Ça nous aidera à trouver la défense ? Je crois pas, mais... Ça rapporte, je sais. Et... Allez, on y retourne. Bon, à mon avis, on peut pas y aller tout de suite, tout de suite. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir pas ouvrir le passage, la porte qui est à côté de la carte là-bas. Ça va pouvoir me faire faire le tour par là-bas derrière, je pense. Hey, pas d'auto-stopper. Oh, c'est pas marrant. Quoi ? Tu veux qu'il chie partout sur les sièges ? Ça a l'air sûr. Ça m'a l'air sûr. On y va. Bon, du coup, ce que je vais... Ah bah tiens, je l'ai même pas vu, tiens. Je suis passé à côté pourtant. Bien reçu. Je vais retourner quand même là où j'ai commencé la partie. Pour aller faire le... Je pense le gunfight. Et voir si je trouve pas autre chose à récupérer. Allez. Ah, il y a un trésor quand même à récupérer. Ah, du coup, j'ai... Non, je suis même pas complètement bon, là. Je suis dans l'ordre, apparemment, pour l'instant. J'ai quoi ? J'ai le petit flingue avec le silencieux, qui est pas mal. On va regarder ça. Et la voiture. C'est bon, on roule. Je pense que là-haut, il doit y avoir des mecs. Ça me semble un peu normal. Presque normal, du moins. On y va ? Bien sûr. Ah, et du coup, on a trouvé l'emblème de la hache. L'autre fois, on avait fait celui de l'arc. Non, il n'y a personne, apparemment. Hey, regarde. La hache de Shiva. Shiva. C'est le dieu de la destruction, c'est ça ? Bon, ça c'est... Ça va être le retour, je pense. Pas au sens littéral. Parce qu'à mon avis, on va glisser là-dessus pour descendre. Dans un sens plus positif, comme perdre son ego, abandonner ses mauvaises habitudes. Débarrasser de ses anciennes attaches. Exact. Bon, il va falloir encore la voiture pour passer. Bah vas-y hein. Bien sûr, dans l'autre sens. Y a pas de quoi. Bon,
Sala contre le tigre. C'est Sala qui a gagné, en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oi Sala. Oi signifie coup dans leur langue. Ok, il va falloir aller là-bas, je pense. Et maintenant tout le complexe est inondé. Faut trouver une sortie. On va voir si jamais il n'y a pas un truc à récupérer par là. Ils ont pas l'air d'avoir mis quelque chose sous l'eau, hein. Et je vais crever comme un connard. Putain. Allez, ressaisis-toi un petit peu. On replonge au cas où. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Hein. Ah, d'accord. Ils ont laissé leur matos d'escalade. Ça pourrait être utile. Correction. C'est notre matos. Oh, oh la vache. Oh, ça tire sur les poignets. J'aurais dit qu'il faut aller sur le côté. Mais encore, c'est même pas sûr. Parce que à mon avis, si je me lâche, je retombe dans l'eau et je repars au début, non? En même temps, j'ai l'impression qu'elle peut pas sauter à droite, à gauche. On va se lâcher, on verra bien. C'est juste pour nous montrer qu'elle pouvait s'accrocher après un saut, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais, d'accord. Je l'avais pas vu. En face, deux là-bas, un autre là.
Puis lui, il risque de me voir s'il attaque celui qui est au-dessus, là. Ah oui, on peut tirer depuis de l'eau, c'est vrai. Ah putain, il a pas chopé. Hey, elle est là. Merde. Il nous a fait. Il y a aucune échappatoire.